On est toujours à Nantes chez CECV pour le 45e anniversaire et on va visiter un modèle Riviera 66 XT de chez CI Caravaning International, une vieille marque connue, marque italienne, qui fait partie du groupe Trigano. On marquera ici une casquette très adoucie, montée sur Fiat, hein, c'est donc le nouveau porteur, et on remarque les pare-chocs couleur. On avance, les rétros qui sont bien sûr rétractables dans lesquels sont intégrées l'antenne de l'autoradio qui se trouve à l'intérieur. On remarquera sur ce véhicule les stores Rémis, donc ils sont intégrés à la porte, également au pare-brise, ce qui permet d'occulter le soir ou même la journée si on va avoir un petit peu de discrétion. La porte, deux grandes fixations. Et elle est vitrée, ce qui nous permet d'avoir une certaine transparence et de voir lorsqu'on est à l'intérieur. La poubelle de porte, voilà, elle est intégrée à la porte. Côté sympa. Et bien sûr, la moustiquaire, toujours pratique l'été. Pour revenir sur la porte, elle a deux points, donc on se sent quand même en sécurité. Les évacuations de gaz qui se trouvent là, ça c'est la partie frigo. Et là, bien sûr, on remarquera qu'il y a une petite lumière, ce qui nous permet d'avoir de la lumière le soir lorsqu'on est sous le store. Une grande soute qu'on va découvrir ensemble. Donc le lit se relève et lorsqu'on relève le lit, on a effectivement ici un grand garage dans lequel on peut mettre pourquoi pas un scooter, des vélos ou ce qu'on veut. Le lit se baisse et se relève électriquement et pour un certain confort le soir, on a ici une petite lampe à LED. Vu de l'arrière, il est déjà prédisposé, donc on n'a plus qu'à mettre le porte-vélo dessus. Donc c'est renforcé, on ne craint rien. Et on découvre ici, intégré à la carrosserie, une caméra de recul et au-dessus le feu stop LED. La porte ici est traversante. Donc on rejoint la soute de l'autre côté. Intéressant, parce que si on rentre un scooter, on va pouvoir, la personne va pouvoir aider l'autre à rentrer le scooter. L'évacuation du chauffage, c'est un chauffage Truma avec deux bouteilles de gaz, donc un bon confort. La cassette WC qui se trouve ici, facile à sortir. Et bien sûr, les nouvelles cassettes, plus facile pour les transporter et aller les vider. Branchement. Prise de 120 volts et là on découvre le coffre à gaz, donc il y a deux bouteilles de gaz intégrées à celui-ci. Par ici on rentre l'eau et si on se baisse un petit peu on va remarquer une tirette, elle va nous permettre de vidanger les eaux usées. Remarquez ici les baies, c'est de la baie affleurante, hein. Donc pas de bruit de vent, elles sont bien sûr doublées, donc double vitrage si on peut dire. Découverte du porteur. Donc bien sûr les sièges qui se tournent, régulateur de vitesse, on est sur un Fiat 130 chevaux. Dernière génération, voilà, on va retourner à l'intérieur. On va découvrir l'intérieur du modèle. Pas de marche-pied, des marches intégrées qui permettent très facilement de monter dans celui-ci et une poignée à ma gauche qui permet de monter confortablement. En rentrant, un grand confort et des sièges très faciles à retourner. Hein. Voilà, la table qui elle se positionne dans tous les sens et libère l'espace en mode jour lorsqu'on veut circuler. Donc un bon confort d'assise. Ici on remarque un grand dôme qui va amener beaucoup de lumière dans le véhicule. Hein. C'est quand même quelque chose de plutôt sympa, la caméra de recul est intégré dans le rétroviseur. Petit point important à souligner, les finitions des sièges sont à remarquer. Très belle surpiqûre. CI a un certain savoir-faire, c'est quand même 25 ans d'expérience. Des placards copieux, généreux. Hein, voilà. Et cette partie-là, c'est ni plus ni moins qu'un lit qu'on peut descendre d'une manière électrique. Il va se baisser et se positionner jusqu'ici. Hein. Donc on remarquera beaucoup de LED dans ce véhicule, donc beaucoup de lumière. Le coin cuisine. Hein, voilà.
Voilà. La plaque de cuisson. La petite poubelle. Tout est réfléchi. L'évier. Et de grands tiroirs qui permettent énormément de rangement. Bien sûr, cette partie, on a de quoi ranger. La partie, c'est d'ici que se pilote en fait le camping-car. Là, c'est bien sûr pour descendre le lit ou le monter. Puisqu'il est branché, on va en profiter pour le baisser. Bon, un lit très spacieux prévu pour deux personnes. Vous avez ici bien sûr des filets pour protéger éventuellement les enfants. Ce véhicule est doté d'une antenne automatique qui bien sûr se pilote depuis ce petit boîtier là, le petit boîtier noir qui se trouve à côté de là où j'appuie. Là, la commande Truma, donc de gaz et d'eau chaude. Et bien sûr ici on pilote la lumière, on contrôle le niveau des eaux. Là on voit le démodulateur, frigo congélateur 150 litres, un petit peu comme à la maison. Il reconnaît automatiquement l'énergie, donc à l'arrêt 12 volts,